Zot réalité. Vous en avez oublié ce qui peut attendre zot. Vous en avez oublié zot l'objectif, zot but, zot destination. Fakassat ouloubouhoum. Et son résultat, zot leke a fin endurci. Zot leke a fin endurci. Wa kathirou minhum fasikoun. Et la majorité parmi zot, c'est ban fasik. La majorité parmi zot, c'est ban fasik. Ban rebelle, ban rebelle et ban désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa ayat Qur'an, lui peut montrer nous, lui peut enseigner nous une petite chose très importante. Quand lui dit « Faqassat quloubuhum » ça va dire que vous êtes les qui ont dû assis. Quand on arrive dans sa situation, c'est à travers un lecteur qui finit en duacy. Frère son islam, si aujourd'hui nous trouvons nous ligés, pas capables, l'homme dans la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, si aujourd'hui nous trouvons nous pas capables, pense Allah subhanahu wa ta'ala, isolé, pense Allah subhanahu wa ta'ala, et laisse nous l'homme couler avec la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Problème, frère, son islam, dit pas dans nos lisiers. Non. Problème, c'est pas dans nos lisiers. Problème, c'est dans nos lesquels. Donc, pour nous capables de remédier sa situation, c'est pas nous pas besoin de côté opticien, nous pas besoin de côté docteur lisier, non. Nous besoin de côté docteur lesquels. Pour capable remédier sa situation, nous besoin guérir nos lesquels avec sa maladie qui appelle l'insouciance. Négligence, laisser aller et désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ben, nous savons dire, un léqué qui finit en Dieu si, un kalb al-qasi, fa kassat kouloubouhoum, zot léqué qui finit en Dieu si, un léqué qui finit en Dieu si, qui finit malade. Impossible pour l'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala d'une telle façon. Impossible. Pour lui penser Allah subhanahu wa ta'ala d'une telle façon qu'il soit lisier rempli avec l'homme, avec la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Qui ça l'équerre qui pense Allah, imagine Allah. Et soit lisier l'homme et rempli avec l'homme. Pleurer avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un l'équerre qui vit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un léqué qui a plaisir d'en vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas un léqué qui tient plaisir dans désobéissance et dans haram, dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, frère son islam, un autre remède important pour nous capables de guérir sa léqué. En plus de nous préserver contre haram, contre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les met nous en garde. Quand il donne un conseil à un sahaba qui s'appelle Abu Hurairah, cinq conseils qu'il finit de donner. Et un parmi ces cinq conseils, il dit wa la tukthir ad-dhahik. Et pas rier beaucoup. Pas rier beaucoup. Et dans une autre version de ce hadith, il dit wa aqill ad-dhahik. Diminuez ton rire. Diminuez ton rire, pas riez beaucoup. Fa inna kathrata ad-dhahiki tumitu al-qalb. Parce que certainement, riez beaucoup, pas juste li endurci le cœur. Mais il y a une étape plus que ça. Li fait un djimoun sur le cœur mort. Li pas juste endurci un djimoun sur le cœur. Mais li fait un djimoun sur le cœur mort. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans l'époque, frère, son islam. Quand partout, quand nous passons. Pas qu'on est qui fait du monde rire. C'est tout banzen. Banzen est la maladie rire. Parfois, vous pouvez rire quand vous avez qui n'arrive. Pas qu'on est qui fait zone rire. Vous ne pas qu'on est qui fait zone rire. C'est moi zone rire. Je dis, il y a un film spécial. Une série, un film, une comédie, même jusqu'à plus d'enfants. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un dessin animé, un cartoon. N'écoutez pas un djimoun là-dedans rire. Alors comment djimoun là-dedans rire? Ou si vous riez ensemble pareil?
Tu fais un rire. Bonjour, que je suis qui n'a pas qui donne rire, qui fait un rire là. On ne connaît pas. Dis banane rire, moi aussi mon rire. Banane rire, moi aussi mon rire. Shaitan peut travailler. Shaitan peut travailler. Shaitan connaît comment pour tout saler qui est là. Shaitan connaît qui maladie qui peut mettre dans saler qui est là. Qui virus qui peut attaquer. Pour qu'il n'y pas pense à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il n'y pas mazine à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'y pas pleurer avec la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il connaît lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'on y passe, quand un groupe sur un sahaba, il trouve un apérié, les jésotes, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si certainement je connais quelque chose qui moi me connais. Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne les prophètes Mohammed sallam beaucoup de choses. Fin montrer lui beaucoup de choses. Parmi là-dedans les fin ordonner certaines petites choses pour informer son ummat, mais une petite chose que tu lis pas fin ordonner pour informer son ummat. Il y en a beaucoup de choses que Allah subhanahu wa ta'ala informe les prophètes sallam, fin montrer les prophètes sallam, mais il n'y a pas fin donne l'autre les prophètes sallam pour informer ça sur ummat. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Comme l'exemple, les prophètes sallam li ti gay la liste parmi soban sahaba qui man munafik tena parmi là dedans li ti gay la liste avec Allah subhanahu wa ta'ala tout man munafik parmi autres. Tena li ti descend la liste. Mais seulement, il n'y a pas de droit de dévoiler ça. Aban Sahaba. Il n'y a pas de droit de dévoiler ça. Alors qu'il connaît très bien. Qu'il s'en a qui m'en a fait pour les autres. Alors, le professeur Sam peut dire avec Aban Sahaba, il peut trouver ça, il peut rire. Là où tu as l'âme, on a ma âme. Si je suis au ticône, il y a quelque chose qui moi me connaît. La doahiktum kalila. Je suis pour itigit. Ou la bakaytum kathira. Je suis pour pleurer beaucoup. Je vais vous pleurer beaucoup. Faisons en islam. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala avec toute sincérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait à nous gagner la compréhension de nous dîner. Lui fait à nous gagner la compréhension de sa vraie message qu'il lui fait envoyer vers son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa Coran. C'est qui sa Coran peut enseigner nous. C'est qui sa Rasoul sallam fin enseigner nous. Et fin montrer nous dans la pratique et en action et verbal. Que Allah subhanahu wa ta'ala donne toute la compréhension. Et que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Pour qu'il vraiment nous mette sa main l'enseignement dans nous la vie en pratique. Nous vivre d'après sa l'enseignement. Nous vivre d'après sa dîne. Sa l'islam qui lui fin choisir pour nous. Et lui fin satisfait pour nous. Afin qu'il vraiment fasse son islam, nous fasse succès dans sa dunya et dans l'akhirat. Wa aqimis salat. ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد
ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Gardez et l'ose remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, le Sokhalil, nous uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Frères en islam, nous commençons nos khutbas aujourd'hui pour poser nous-mêmes une question. Une question qui s'akène, lui répond pour lui, dans son équerre, avec sincérité envers lui-même et envers son Rab Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut supposer qu'on réponse aux camarades, chacun lui connaît sa réponse dans son lekeya. La question, frères en islam, combien parmi nous, nous venons déjà un jour ou bien une partie dans un jour ou bien quelques heures ou même quelques minutes ou même quelques secondes, nous venons assiser, nous tous seuls, personne pas avec nous, personne pas peut trouver nous, excepté nos Rab Allah subhanahu wa ta'ala qui peut trouver nous. Nous finissons assisés, nous finissons mazin, nous Rab Allah subhanahu wa ta'ala. Nous réfléchissons sur la puissance, sur le pouvoir, sur la capacité. Nous mazin, nous ban pécé et nous ban désobéissance qui nous finissons commettre et nous ban dérapage qui nous finissons faire la nuit, les jours, grand matin, tantôt. Et en dépit de sa quantité, pitié et miséricorde et faveur qui nous robe fin envoie le nous en dépit de toute sa bande dérapage qui nous fin fait à grand matin tantôt, combien parmi nous fin assisé un jour fin mazine tout ça là et sur l'homme fin coulé sur l'isier fin l'homme et fin rempli avec l'homme jusqu'à qui l'homme peut couler comme Dieu l'a pris peut tomber. Frères en islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois les vins d'un sahaba Abdullah ibn Mas'ud al-Ran, il dit à lui comme ça, Iqra alayya al-Qur'an, liya un petit peu Qur'an pour moi moutantouah. Sa sahaba répondit, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aqra alayka wa qad unzila alayk, moi pour lire Qur'an pour toi te tendre alors que le Qur'an finit descendre toi. Jenaam, oui. Mon envie d'un Coran depuis un autre. Mon envie d'un autre pour lire le Coran, mon envie d'un lire. Alors, ce sahaba, il dit, il fait la lecture sur An-Nisa, jusqu'à ce qu'il arrive côté une certaine ayat. Et Rasulullah Hassan, il dit, Hasbuk, suffisant pour toi, assez. Ce sahaba, il dit, il lève son regard, il guette Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, solisé, rempli avec l'homme peut couler. Un autre sahaba, Abdurrahman ibn Af, alors qu'il était rosa, et dans les iftar, il a fini de manger, fin de nuit pour lui manger. Et quand il a mangé devant lui, il raconte un épisode, un événement qui déroulait dans les passés, dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est un grand sahaba qui s'appelle Moussab ibn Umayr, qui nous connaît très bien, le petit shahid, le champ des batailles, et quand il peut couvrir lui avec son kafan, quand couvert sur la tête, les pieds découverts, quand couvert sur les pieds, la tête découverte, et sa sahaba, il peut rapporter cet événement, il dit, est-ce pas dans doute que Moussab ibn Umayr, c'est beaucoup plus meilleur que moi. Abdurrahman ibn Auf, c'est lui qui lit un parmi les 10, les 10 al-Mubashirat, parmi les 10 sahaba qui Allah Rasulullah sallam dans un seul hadith, dans une seule occasion, dans un seul moment, lui fin décrier qui s'adisse là, zut parmi ban qui dans Jannat. Ensuite, il dit Hamza, Radlan, fin shahid, le champ des batailles, alors qu'il était beaucoup plus meilleur que moi. Et il dit ensuite, nous commençons à gagner beaucoup barakat. Faveur Allah subhanahu wa ta'ala commence à descendre l'eau, nous commençons à gagner l'abondance. Nous commençons à gagner l'abondance jusqu'à ce que nous commençons à gagner la frayeur. Attention qu'Allah peut donner nous tout dans sa dunya et dans l'akhirat. Pas pour nous, rien, nous finissons à gagner tout dans la dunya. Et ensuite, sa sahaba commence à pleurer, elle a été pleurée, qu'il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de manger. Tellement il pleurait. Frère, son islam,
Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bin Ali, et dit Ali comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala fin dit à moi, récite surah al-Bayyina avec toi. Sa sahaba dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu samaka li, Allah fin prendre mon nom avec toi. Rasulallah dit, naam, samani lak. Oui, il fin prend ton nom, il fin mentionne ton nom avec moi. Il fin prend ton nom, Ubay ibn Ka'b. Sa sahaba lui dit, Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, fin prend mon nom, fin mentionne mon nom avec toi, ya Rasulallah sallam. Ensuite, cet homme commence à couler, il commence à pleurer. Frères en islam, un épisode pareil dans la vie de nos modèles, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie de ce bon compagnon, ce bon sahaba, ce bon meilleur insan qui finit d'exister, l'eau salatée après ce bon prophète et ce bon messager, et dans la vie des bon salaf salih, ce qui vient après, ben l'exemple pareil, frère, son islam rempli. Rempli. Qui quantité sa bon sahaba, sa bon tabéri, sa bon tabé tabéri, et sa bon personnage pied, qui Allah subhanahu wa ta'ala satisfait avec ce tout. Et l'hiver, sa pitié, sa miséricorde, l'autre tout, qui compte sa bonne personne, je t'y peux pleurer. Quand je t'y peux m'asine, Allah subhanahu wa ta'ala. Frère, son islam, un dimoun est capable de pleurer pour plusieurs raisons. Pareil, comment un savant, Soufiane al-Thawri, rahimahullah, lui dit, Al-Bouka, pleurer, un dimon qui a pleuré, il énumère un dizaine, achar, il énumère un dizaine, pleurer, type de pleurer. Et il dit à Tissa, laïsat lillah. Et il y a 10 là, il y a 9 là, donc il n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahidatun faqat lillahi azza wa jal. Et un seul dans sa 10 là, qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frère son islam, quand Jimoun dit pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs ben ahadith, les fin montrer nous qui bénéfice, qui l'avantage, qui bienfait, qui sa Jimoun dit récolter pour faveur Allah subhanahu wa ta'ala dans sa dunya et dans akhirat. Frère son islam, en parmi sa ben hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit « La yalijun nara rajulun baka min khashyatillah » Il n'est pas pour rentrer dans l'enfer jahannam. Il n'est pas pour rentrer dans l'enfer. Ça dit moun qui lui fait pleurer la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui fait nous connaître Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Et dans cette catégorie du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner protection sous son ombrage, zou qui pas prena aucun autre ombrage excepté l'ombrage Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre version de sa hadith, il dit à l'ombrage trône Allah subhanahu wa ta'ala. Et un parmi sa sept catégories, frères en islam, Rajulun ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ان جيمون كي فين بونس الله سبحانه وتعالى كي فين مازين الله سبحانه وتعالى دون تو سيل ففاضت عيناه اي سوليجي فين رمبلي افيك لوم سا جيمون الله سبحانه وتعالى دوني لا غارونتي رسول الله صلى الله عليه وسلم دوني لا غارونتي كي لي بو ان parmi sa 7 catégories جيمون qui s'ajoute, qu'on ne peut pas aucun autre l'embrasse, excepté l'embrasse, trône Allah subhanahu wa ta'ala, quand le soleil pouvine la tête du monde, distance 1000, du monde pour noyer dans sa propre transpiration, le basant le son action qu'il fait à différents levels, s'ajoute que du monde pour un secours, un refuge, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour donner ça du monde-là, refuge, protection, on va sur l'embrase, je n'occupe pas pour aucun autre l'embrase, excepté l'embrase, trône Allah subhanahu wa ta'ala. Frère son islam, si nous citons ce hadith, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. La question nous pose, nous frères en islam, qui fait un dimoun pleurer la cause Allah subhanahu wa ta'ala? Qui fait un dimoun pleurer la cause Allah subhanahu wa ta'ala? Qui raison? Ben savons dire principalement, on a deux raisons. Ben savons dire principalement, on a deux raisons. Un, c'est la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. La frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça dit mouna, l'imagine, ce sont des rapaces, ce sont des péchés, ce sont des désobéissances qu'il vient de commettre. Allô, les gars, pire. Punition Allah subhanahu wa ta'ala. Les gars, pire. Rétribution Allah subhanahu wa ta'ala. Les gars, pire. Conséquence des ce sont des rapaces. Allô, ça, la frayeur amène-li. Pour lui pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'homme coulé, comme a dit la pluie est tombée. Deuxième raison, frères en islam, c'est ash-shawq wa tama wa raja, c'est désir, l'envie, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Désir, l'envie, l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour gracier nous, li pour pardonner nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala li pour accepter nos bonnes actions qui nous font faire, nos bonnes obéissances, nos bonnes ibadat qui nous font faire. Qui Allah subhanahu wa ta'ala li pour accepter ça de nous. Et li pour récompense nous énormément pour sa bonne effort et sa bonne sacrifice qui nous font faire pour son plaisir. Allô, ça dit mon, quand l'imagine sa faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur l'homme coulé, sur l'isier rempli avec l'homme. Il pleurait. Ça, c'est des raisons qui font un dimoun pleurer avec la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, un parmi sa sept catégories dimoun qui pour gagner l'embrasse, l'embrasse trône Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dis pas pour aucun autre l'embrasse excepté l'embrasse trône Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous disons, Rasulullah SAW, il dit, « Rajulun dhakara Allah khaliyan, fafadwat aynah. » Ben, savant qu'on analyse sa parole, je dis, il y a trois choses importantes là-dedans. Trois conditions. Trois conditions pour qu'un dimoun, il jouit et il bénéficie sa faveur au kayamat. « Rajulun dhakara Allah. »« Rajulun dhakara Allah. » Un dimoun qui peut mazine Allah. Un dimoun qui peut penser Allah. Je dis, frères en islam, avec nos systèmes de vie qui nous venons, avec nos modes de vie, métro, boulot, dodo, et rester avec nos portables, nos smartphones, avec nos bonnes réseaux sociaux, plusieurs à nous avec ça. Combien de temps vraiment nous gagnons pour nous penser Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous mazine Allah subhanahu wa ta'ala. Nos salat, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, waqim is salat ali zikri. Établir salat pour mon rappel. Établir salat comme un rappel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos salat, combien nous mazine Allah. Dans nos salat, combien nous mazine Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien nous l'esprit, lui dans nos travail, dans nos lacas, il est allé qui carie pour couille, qui m'a pas le manger tantôt, qui shopping m'a pas le faire, ou bien qui problème moi non, qui solution m'a besoin de rôder, qui s'en a besoin de joindre, qui m'a pas le faire. Combien nous mazine Allah subhanahu wa ta'ala? Combien nous pense Allah subhanahu wa ta'ala? Rajulun dhakar Allah. Un dimoun qui pense Allah. Et quand il pense Allah, comment il pense Allah? Pour faire show off, pour montrer du monde, les péto, khaliyan. Rajulun dhakar Allah khaliyan. Un du monde qui pense Allah tout seul. Un du monde qui pense Allah quand il n'est pas dans la présence de personne, excepté son rab Allah subhanahu wa ta'ala. Zodi nous, insan, zodi nous. Quand nous trouvons nous tout seuls, personne ne peut guetter nous, personne ne peut dans nos compagnies, personne ne peut connaître ce qu'il nous peut faire.
N'oubliez qu'Allah subhanahu wa ta'ala li peut nous et li connaît qui nous peut faire li. Alors nous profitons l'occasion pour nous faire tout ban kitso qui nous pas envie di moun connaît. Nous profitons l'occasion pour nous faire tout ce qui nous capable qui nous pas envie di moun connaît. Quand nous connaît personne pas peut nous. N'oubliez qu'Allah subhanahu wa ta'ala li peut nous. Rajulun dhakara Allah khaliyan. Un djimoun qui pense au Rab Allah subhanahu wa ta'ala khaliyan. Et ben savants ont dit khaliyan et a des implications. Khaliyan le jisme veut dire son l'écho isolé. Peine à personne ensemble avec lui qui peut trouver lui. Et il peut pleurer, son homme peut couler. Pour la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une implication. Et deuxième implication, ben savants dit khaliyan le qalb. Khali al-qalb, sur l'équerre, isolé avec son rab Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire dans son équerre, il n'y a aucune autre occupation. Dans son équerre, il n'y a aucune autre préoccupation. Dans son équerre, il n'y a rien qu'il peut penser, qu'il peut imaginer, excepté son rab Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tout seul lié avec son rab Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne avec lui, à côté de lui, et il n'y a rien dans son équerre. Rajulun dhakar Allah khaliyan. Un djimoun qui fait une pensée au Rab, isolé, tout seul, juste lié avec son Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, fafadwat aïna, allô, soligier rempli avec l'homme. Soligier rempli avec l'homme. Tellement il peut pleurer. Frères en islam, comme un savant rapporté dans un livre, adraktu rijalan. Et nous savons que nous avons besoin de Banjimoun. Nous avons besoin de Banjimoun. Qui est dans le salat, il est dans le saf, avec son ban frère à côté de lui, à droite, à gauche, il est dans le saf, dans le salat. Il peut pleurer sur la barbe, il trempe, comme on dit, l'éponge avec pleurer. Seulement personne à côté de lui, pas fin connaît, il peut pleurer. Personne à côté de lui, pas fin connaît, il peut pleurer. Et il dit, nous avons besoin de Banjimoun. Qu'il y peut dormir, lit avec son madame, tous les deux, la tête loin de seul laurier. Tous les deux, la tête loin de seul laurier, je peux dormir. L'in pleurer, son laurier fin trompé, comme on dit, l'éponge, il remplit avec de l'eau. Mais seulement, son madame à côté, lui, pas fin de connaître, c'est pas lui peut pleurer. Ali Khlas. Vraiment, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas pour personne excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour personne excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun dhakar Allah khaliyan fafadwat aynah. Un djimoun qui vient penser sur Rab, Allah subhanahu wa ta'ala, isolé, juste lié avec son Rab. Alors, sur l'homme coulé, sur l'isier rempli avec l'homme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un hadith le dit. Aïnan, des types de ligiers, des caractéristiques, des bandes ligiers. Aïnan, la tamassouhoum annar, qui sa déligier la jamais j'y fait jahannam pour tous autres. Sa déligier la jamais j'y fait jahannam pas pour tous autres. En là dans les prophètes sassan les dit, Aïnan, bakat min khashyatillah. Un ligier qui fait pleurer et fait larmer la cause la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. La cause la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous l'exemple de plusieurs ayats du Coran. Dans plusieurs ayats du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple. Inna alladhina utul ilma min qabli idha tutla alayhim kharru sujjadan lil azqani kharru lil azqani sujjadan wa yakhiruna lil azqani sujjadan yabkuna wa yaziduhum khushu'a.
ban ki Allah subhanahu wa ta'ala fin dans zot la connaissance et les livres dans les passés ban ahlul kitab idha tutla alayhim qu'on récite saban verset qu'on récite saban message d'Allah subhanahu wa ta'ala azot kharru lil azqani sujada je tombe à terre de tombe à terre dans sijda pour Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhruna lil azqani yabkuna je tombe à terre je frôle la terre pour dans sijda pour Allah subhanahu wa ta'ala yabkun je pleure wa yaziduhum khushu'a et ça li augmente je khushu' je l'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala je augmente cette humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yakhirun wa yakhirun idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Qu'on récite ben verset d'Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman avec zot kharru sujadan wa bukiya. Je tombe le jeu de front, si tu dis pour Allah subhanahu wa ta'ala, peut pleurer, l'homme peut couler dans notre lit. Je demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un tawfiq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un tawfiq pour qu'il nous développe sa bonne qualité dans nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un tawfiq pour nous capables de tirer ban les temps dans sa 24 heures qu'Allah finit de nous tous les jours. Qui nous tire ban les temps, qu'on vraiment nous passe les temps dans zikrullah, dans les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, isolé avec tout regard, isolé avec tout ban l'occupation et ban préoccupation. Dis nous avec nos robes et nous mazine nos robes, nous mazine sur ban favel ou nous, nous mazine nous ban péché, nous ban désobéissance et nous ban dérapage. Et nous pleurer avec nos robes Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous l'homme couler devant nos robes Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu na wa lakum fil ayati wa dhikri al-hakim. Astaghfirullah li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu wa al-ghafur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد فايس ان اسلام الله سبحانه وتعالى لي بيبوزو ان كيسيون pour nous réfléchir pour interpeller nous l'intelligence nos matières grises sourate hadid ayat numéro 16 الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا ولا يكونوا كالذين من قبلهم فطالت عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا est-ce qu'il pas fini arrive l'air. Est-ce qu'il n'y a pas une arrivée? Est-ce qu'il n'y a pas une assez gaspillée sur les temps, perdue sur les temps de banque de choses inutiles, gaspillage, qui n'est pas pour profiter, pas pour bénéficier, ou même plus pire, qui pour faire l'idito? Est-ce qu'il n'y a pas une arrivée pour une sainte, qui service à l'éton là, de banque de choses, qui pour bénéficier? Alam ya'ni lilladhina amanu, an tarcha'a qulubuhum li dhikrillah. Est-ce qu'il n'y a pas une arrivée pour banjimoun? Je te l'ai tremblé dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te l'ai rempli avec la frayère dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te parvine pareil comme moi ban qui était auparavant. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit dans autre l'étang. Je n'en trouve pas, je n'ai trop beaucoup l'étang. Vivre 50 ans, 60 ans, 100 ans, 150 ans, 200 ans, mais trop beaucoup les temps qui vous fait que ça est temps là. Bisa paye un peu, bisa gaspille un peu. Fatwa alayhimul amad. Allô,
je ne comment dire, je n'ai trop beaucoup de temps, je n'ai oublié.